On m'a artiste et on bida kono, on est tous conscients qu'ils ne s'aiment pas entre eux. Le soutien que de Bordeaux est en train de recevoir à Côte d'Ivoire là, c'est d'abord, en premier lieu, aurait été lui seul la sortie de ce son là. Djeneba Kama allait traîner. On ne sait pas pourquoi. Il a fallu qu'un frère artiste à lui. Il a fallu qu'un collègue du même domaine, c'est-à-dire qui fait aussi le coupé décalé. Il a fallu qu'un frère qui est Kérosène d'abord a donné le ton. Il s'est déplacé. Il appelait son frère de Bordeaux. Allons-y au studio. Je vais contribuer à ma manière. Allons-y au studio. D'abord, c'est Kérosène qui a porté son soutien. Un artiste frère à de Bordeaux. Nos artistes ici, là, si ce n'est pas se concurrencer entre eux, là, négativement, là, si ce n'est pas se haïr entre eux, là, si ce n'est pas chercher à se faire tomber entre eux, là, ils sont forts, là, quoi. Je vous écoute. Publiquement, ils font comme si tout va bien. Mais leur fond, là, c'est noir entre eux. C'est-à-dire, entre eux, d'abord, le fond est noir. C'est-à-dire, ils ne s'aiment pas, en clair, ils ne s'aiment pas. Et c'est là la base. Avant d'abord que les fans ne se mobilisent, avant que le peuple ne soit derrière vous, il va falloir que vous aussi, entre vous, vous essayez de vous aimer. Vous essayez de vous aimer. C'est pas de Bordeaux à lui seul, cet exploit. C'est l'union des acteurs culturels de la Côte d'Ivoire. C'est l'union des artistes ivoiriens. C'est le rythme-là, c'est le pas-là que le peuple ivoirien a suivi. Disons-nous la vérité. Je suis en live comme ça. Qui partage? Je suis en live comme ça. Qui partage? Quel Guinéen partage? Nous sommes tous dans l'euphorie de l'orgueil. Nous sommes, ah non, je ne vais pas partager. Ah non, je ne vais pas toucher. Non, moi, je ne vais pas partager. Et je ne mettrai pas dans les groupes pour lui. Ah, mais il est qui? Il y a une chose que Makoso Camille il a souligné. Je le tire chapeau pour ça. Dans l'une de ses sorties, j'ai vu une vidéo dans l'une de ses sorties. Il dit carrément, excusez-moi du terme des Guinéens, mais là je parle à la place de Makoso. C'est-à-dire, il dit carrément, excusez-moi les Guinéens, mais vous êtes des lâches. Mais il a raison. Moi, le fait que Makoso dit là, j'aime la Guinée, cela m'importe peu. Le seul mot qu'il a dit est que, franchement, j'ai adhéré à cette philosophie, c'est le fait de dire que les Guinéens, vous êtes lâches. C'est vrai. Il a raison. Makoso, Camille, tu as raison. C'est le commandant qui te dit ça, tu as raison. Là, tu as raison. Oui. C'est-à-dire, le Guinéen, nous sommes tellement dans l'émotion. De telle sorte que nous haïssons entre nous sans condition, sans aucune cause préalable. Oui. Tellement que nous sommes dans l'émotion. De Bordeaux, est-ce que vous savez d'abord, avant que ce succès phénoménal ne voit jour dans sa carrière, combien d'injures il a reçues venant des Ivoiriens? Est-ce que vous le savez? On parle en Guinée, non? C'est que, au moins, il faut un mot d'entendre. Est-ce que vous avez dit, De Bordeaux combine ma stocine, dénigrement ma stocine. Dénigrément, blogueur ivoirien, dénigrément, et rabaissement, et humiliément. Combien d'années avant que, à la niveau de Rek, à la niveau li, avant qu'aujourd'hui, à la Rangui Kito, à Agibeli. Répondez-moi. Notre compatriote, Séo Guirassy, le meilleur joueur africain aujourd'hui, le peuple guinéen, aujourd'hui, nous sommes à 15 millions
d'habitants. Le peuple guinéen, aujourd'hui, nous sommes à 15 millions d'habitants à peu près. C'est au grâce, notre compatriote aujourd'hui, il est en course pour le ballon d'or. Et à quel soutien? Quelle mobilisation? Quelle pression les Guinéens sont en train de mettre sur la Fédération africaine du football? La Confédération africaine de football. Quelle pression? Parlez de vous à moi. Parlez entre vous et moi. Parlez de vous à moi, entre nous Guinéens. C'est au Gracie, ma compatriote aujourd'hui. Il est dans la course pour remporter le ballon d'or. Il est dans le top 3 des favoris. Peuple guinéen, pression mon nouveau dans la salle, Kafma. Confédération africaine de football. Quelle pression avons-nous réellement mis sur la CAF pour les signifier réellement que Séo Guirassy mérite le ballon d'or? Qu'est-ce que vous parlez? Commençant par moi, nous sommes tous des lâches. Je suis dedans aussi. Nous sommes des lâches. Nous, Guinéens, nous sommes des lâches. Nos artistes, c'est les plus orgueilleux de la sous-région. Nos artistes, c'est les plus orgueilleux de la sous-région. Moi, à un moment, j'ai soutenu ici des artistes qui gâtait mon nom derrière. Pendant que moi j'apportais mon soutien, eux, qu'est-ce que je racontais aux gens? Ah, il n'a pas de travail. Ah, il est ceci. Ah, il est cela. Ah, patati. Ah, patata. Moi, je suis dans ma salle à manger comme ça. Je suis dans ma salle à manger. Dans ma salle à manger. Moi, je n'ai pas faim. Je suis dans ma salle à manger. Je vous montre un peu la salle à manger. Ça, c'est... Je montre un peu... Voilà, je suis comme ça chez moi. Je suis dans ma salle à manger. Je fais le live comme ça dans ma salle à manger. Je n'ai pas faim. Non. Si vous voyez que j'ai essayé de mettre même quelques principes par rapport à la promotion des artistes guinéens, parce que ce sont des gens qui ne sont pas reconnaissants. Tu peux faire au moins 2 ans en train d'apporter ton soutien à l'artiste guinéen. Le moment que le jour que tu feras une petite erreur, c'est fini. Et oublie tous les 2 ans de soutien. Tu peux passer 10 ans, tu soutiens un artiste guinéen. 10 ans, tu le soutiens. Le jour que tu feras une seule erreur, il oublie les 10 ans de soutien là. Non, il te considère comme un ennemi. Non, toi tu es un ennemi. Toi tu es un ennemi à lui. Oui. Genre tous les 10 ans que tu as passé là, tu reçois des insultes. Tous les 10 ans que tu as passé là, hein? Même des fois on te convoque à la police pour lui là. Ça dit, c'est rien, quoi. La seule erreur, c'est que t'as commise là. La seule erreur t'as commise là. À partir du moment là, t'es devenu son véritable ennemi. Comment est-ce que les artistes pareils qui ont des mentalités faibles comme ça là, comment est-ce que vous voulez que les gens les apportent leur soutien? Et donc, à prier pour quelqu'un, par exemple, comme moi, moi qui touche à leur activité culturelle, et donc, à prier pour certains comme moi, de Bordeaux, même dans l'affaire de Guinée Badiaba, il a été insulté, vilipendé par le Cameroun, par certains Ivoiriens, ses compatriotes, mais il n'a jamais répondu. Il n'a jamais branché un seul mot. Il s'est mis au travail et aujourd'hui, le résultat est là. C'est ça un artiste. Mais artiste guinéen, il faut seulement dire que seulement tu es belle. Non, ou bien tu n'es pas... Banabimana, appelez-moi tous les Congolais ici. Appelez-moi tous les Congolais. Justice dédiée. Justice dédiée. Appelez-moi tous les Congolais ici. Appelez-moi tous les Congolais, s'il vous plaît. Appelez-moi tous les Congolais. Alexandra vous a dit qu'elle dort. Alexandra vous a dit qu'elle dort. Elle est venue te dire. Alexandra est venue te parler que oui, madame, je dors. Madame, je suis fatiguée. Banabi Bana fatiguée. Alexandra vous a dit qu'elle est fatiguée. Alexandra vous a dit qu'elle dort. Arrêtez de foutre la merde aux gens. Foutez la merde aux gens. Arrêtez. Alexandra Diango Lombaï est bel et bien là.
seulement qu'elle n'est pas dans un corps. Mettez-moi en commentaire, je suis là. Moi, Alexandra, je suis là avec vous. Mettez-moi en commentaire, Alexandra est là avec nous. Mettez-moi en commentaire, je suis là. Je suis là avec vous. Mettez-moi en commentaire, je suis là, je suis là, je suis là avec vous. Alexandra est avec nous. Alexandra, elle nous accompagne dans le combat. Vous pensez que vous vous foutez des gens? Vous pensez que non, ça va arriver comme ça? Vous pensez que la mort d'Alexandra, c'est simple? Vous pensez que...